Imran Nusa, incontestable révélation d'une saison nantaise inachevée. Beaucoup de talent et de l'audace, à l'image de ce but de très grande classe. Imran Nusa fait partie de cette génération 1999 séduisante, à l'image de Thomas Basila, Eli Yuan, et puis bah, maintenant Imran Nusa, qui est certainement celui qui s'est le plus imposé dans l'effectif de Christian Gourcuff. Christian Gourcuff qui justement ne tarit pas d'éloges envers sa jeune pépite, incontestablement c'est Imran Nusa, pour moi c'est LA révélation en arrivant au FC Nantes, je ne le connaissais pas, avant de rajouter, je cite, le vendredi je remarque Imran Nusa, je demande qui c'est, le samedi je le revois et il confirme, la semaine d'après j'ai tout de suite vu que c'était un joueur qui cadrait complètement avec le foot que je ressens et qui allait nous être très utile. La confiance de son entraîneur qui joue évidemment beaucoup dans les performances d'Imran Nusa, mais faut pas oublier tout de même que c'est Veil Delilouzic qui l'avait lancé, c'était en Coupe de France face à Châteauroux et ça s'était plutôt bien passé. De quoi bien mettre en confiance pour son premier match professionnel avec le FC Nantes, même si ça n'aura pas suffi à convaincre totalement Veil Delilouzic de lui laisser les clés de son milieu de terrain, puisqu'il n'aura seulement disputé que 3 matchs lors de la saison passée. Donc l'arrivée de Christian Gourcuff a été une vraie aubaine pour Imran Nusa. La preuve en chiffres de la confiance que lui accorde l'entraîneur breton, c'est qu'Imran Nusa a disputé 28 matchs cette saison à seulement 20 ans, avec un bilan intéressant pour un meilleur relayeur de 4 buts et 3 passes décisives. Pour les premiers matchs, j'ai essayé de prendre mes marques, prendre confiance. Et voilà, aujourd'hui, j'essaye de me lâcher et de jouer à fond ce rôle. Ouais, j'aime bien faire jouer les autres, j'aime bien prendre le ballon, j'aime bien défendre, j'aime bien attaquer aussi, mais voilà, j'aime bien ce rôle. Arrivé en 2006 et après plus de 13 ans de formation, l'ex-capitaine de la réserve s'est complètement imposé en Ligue 1 avec le FC Nantes. Nantes a trouvé en Imran Nusa le nouvel enfant du club. Bien, et pour clôturer la vidéo de la meilleure des manières, Imran Nusa a tenu à vous laisser un message. Salut à tous les supporters, c'est Imran Nusa. Voilà, je vous fais ce petit message pour déjà d'une vous souhaiter un bon courage à tous dans cette période difficile, mais surtout parce qu'on le fait pas souvent, je voulais vous remercier du soutien que vous me donnez chaque jour, voilà, sur chaque match, sur tous les messages que je reçois, je voulais vous remercier pour tout ça, voilà, vous m'avez intégré comme il faut, et voilà, je vous remercie énormément pour cela, voilà, merci encore une fois, et on se voit bientôt à la Beaujoire. Ciao.